Fait que là, on a rincé avec de l'eau seulement. Puis ça, c'est mes cheveux avec le 2 Minute Reconstructor de Afuji. Fait que là, je vais le laisser pendant 5 minutes. Je vais mettre une charlotte en plastique, comme les Français disent, là. Un bonnet de bain. Juste 5 minutes pour prendre le traitement. Puis ensuite, je vais rincer avec le shampoo de Afuji, Creamy Oily Shampoo, le neutralisant. Puis après, on va vous montrer comment on met le Replenishing Cap. Ok, fait que là, on a rincé le 2 Minute Reconstructor de Afuji. Puis on a bien rincé. Puis là, on a fait un premier shampoo avec le shampoo de neutralisant. Puis là, ça c'est le deuxième shampoo. Puis je vais le laisser à peu près 5 minutes. C'est marqué 2 à 3, mais je vais être sûre que toute la permanente est partie. Fait que là, c'est ça. Alors, il y a d'autres permanentes qu'il y a comme un indicateur de couleur, mais pas celui-là. Je pense que c'est une permanente comme Just For Me. Ça devient, c'est rose quand tu le mets, puis après, quand tu es sûr que toute la permanente est partie, ça devient blanc. Fait que c'est celui-là, je préfère le laisser 5 minutes pour être sûr que tout le pH a bien descendu, puis que tout le défrisant est parti. Puis c'est ça, on va vous montrer. Après, je vais mettre le Deep Conditioner. Fait que là, j'ai rincé le shampoing neutralisant. Puis j'ai fait un troisième shampoing après que j'ai attendu 5 minutes, juste pour être sûr là, que tout est parti. Puis là, on est en train d'appliquer le Replenishing Pack qui vient dans la boîte, dans le kit. Le kit est quand même complet. Fait que là, mes cheveux sont vraiment doux. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas senti mes cheveux comme ça. Mais selon Bruni, je suis plus Texlax que Bone Straight. Fait que ça fait un petit peu des petites ondulations là. Elle disait que peut-être c'est pour ça que j'avais besoin comme deux boîtes. Moi, en tout cas, au moins mes cheveux sont relaxés là, ils sont défrisés. Fait que c'est plus malléable, c'est ça que je voulais au fond. De toute façon, on verra le résultat final là. Je crois pas que Texlax ça me dérange plus qu'il faut, mais c'est ça. On verra à la fin là quand ça va être tout sec, puis comment ça va être mes cheveux. Ok. Puis ah ouais, je vais rester sous séchoir. On va mettre un bonnet de plastique. Puis je vais rester sous séchoir pendant 30 minutes. Puis aussi, ah ouais, je voulais dire que je vais pas rajouter d'huile, pas rien pour pas. Parce que c'est la première fois que j'utilise le Replenishing Pack de ORS, croyez-le ou non. Fait que c'est la première fois que je voulais savoir comment c'était là, comme avec mes cheveux. Je voulais savoir si j'allais aimer ça pour que si je pourrais l'acheter le plus gros format. Alors. Oh oui, juste par rapport à la permanente, maintenant que ça s'est enlevé, moi avant j'allais chez Dominicaine. Puis la raison pour laquelle c'est ma cousine a proposé de le mettre parce qu'elle s'est dit que mes cheveux sont tellement crépus que juste pour démêler, ils n'allaient pas comme bien faire ça. Ils n'allaient pas prendre le temps de bien démêler mes cheveux crépus avec les deux textures. Puis des fois, même avec mes cheveux, quand je mets la permanente, puis j'ai pas une grosse repousse, ils démêlent avec un petit ping. Puis tu sais, c'est les styles, ça, les coiffeurs. Fait que. Elle s'est dit, oh, ben, je vais mettre la permanente pour toi. Puis tu sais, au moins, elle aussi, elle suit YouTube, puis les hair journey. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'elle l'a mis pour moi. Mais pour comparer la permanente entre Olive Oil. Et je dis ORS et Gentle Treatment, moi je préfère quand même Gentle Treatment parce que je me rappelle quand dans les débuts que je mettais la permanente parce que ma mère le mettait ou ma tante, puis là ça me faisait toujours, ça chauffait, ça piquait, puis je devais aller courir rincer. Mais j'avoue, c'était pas la même mentalité, la façon qu'ils appliquaient, ça allait tout de suite à mon cuir chevelu. Mais là j'ai pu rester, oh ouais, ça nous a pris comme 21 minutes le temps d'appliquer, puis de faire le smoothing. Fait que ça a pris 20 minutes, puis c'était écrit jusqu'à 20 minutes. Ça a pris 21 minutes, à peu près 22 minutes là, puis ça c'était jusqu'à 22 minutes que c'était écrit. Puis quoi d'autre? C'est ça, fait que peut-être que je vais je vais pas refaire de stretch aussi long. Fait que alors ça, c'est sûr que je vais retourner chez les Dominicaines pour faire mes prochains ou dans un autre salon pour faire mes prochains défrisages. Mais je vais continuer à prendre, ou même si c'est moi qui va le faire, c'est moi qui vais le faire, ou ma cousine, je vais prendre Gentle Treatment parce que ça me pique pas. Je peux rester avec cette permanente là pendant 30 minutes sans que ça me chauffe, que ça me pique. Fait que c'était juste ça. Mais peut-être que le résultat va être meilleur, je sais pas, on verra.
Fait que là, je reviens, j'ai enlevé le deep conditioner. Fait que là, vous voyez, mes cheveux sont comme vraiment texlax. Là, on voit que c'est encore frisé, mais c'est vraiment plus assoupli. Fait que j'ai comme assoupli mes cheveux, là. Mais c'est ça, on va voir le résultat final. Là, maintenant, on va mettre la mousse qui venait avec le packaging Organic Stimulator Wrap Mousse Set. Wrap Set Mousse. Fait que pour mettre les rouleaux, je vais juste montrer les rouleaux. On va mettre ceux-là. Je les ai achetés, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 10 pour 2,99. J'ai acheté deux paquets, mais aussi je vais mettre une autre grandeur. C'est quoi le. Petit l'autre? Cette grosseur là de rouleau, ou est-ce que c'est plus long? Fait que on va voir. T'enregistres? Hein? T'enregistres? Ouais, okay. le soleil. Fait qu'on va voir. Ok. Ça tire dans la vidéo tout petit peu, mais c'est pas grave. On va pas ta face. Ok, on reste ici. C'est moins voir à tout. Tout le monde puisse voir mon état. Ah, trop tard, je t'ai filmé. Que les idées, ça, c'est les cheveux sans... là, on va couper les pointes. On les a flat. Fait que... Ouais. OK.